parce que tu as manifesté ta grâce dans notre vie. Notre volonté ne suffisait pas seulement pour s'approcher auprès de toi la journée d'aujourd'hui. Comme beaucoup parmi nous, ils avaient aussi l'intention et une bonne disposition de s'approcher auprès de toi. Mais l'écriture s'est accomplie car personne ne peut venir chez toi si tu ne l'attires pas. Voilà pourquoi nous reconnaissons que tu as créé à nous le vouloir le faire, afin que nous venions devant de ta présence. David a dit, m'approcher de toi, c'est un bonheur pour moi. Merci pour ce grand bonheur. Merci aussi par l'accomplissement de la prophétie de l'Écriture qui dit qu'il est bon que nous puissions demeurer ensemble. C'est là où tu repars la bénédiction et la vie pour l'éternité. Merci pour un frère, pour une sœur qui participe à cette bénédiction d'aujourd'hui. Seigneur, nous serons encore bénis quand tu nous donneras encore la capacité de reproduire la vie de ta parole. Nous venons avec nos cœurs, nous venons avec nos soucis, nous venons avec nos préoccupations. Voilà pourquoi nous savons, Seigneur Dieu de mon salut, tu es le seul qui peut nous donner la solution. Voilà pourquoi nous sommes venus avec toi, devant de toi. Pour ceux qui sont malades, Père, la parole de Dieu a la puissance de la guérison, parce que tu es le Dieu qui guérit. Pour ceux qui sont possédés, l'Écriture dit le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à toi, l'Éternel, notre Dieu. Tu as la capacité de nous baptiser du Saint-Esprit et tu as la capacité de nous consoler de toute situation que nous sommes en train de traverser. Et tout ce qui est du diable en votement, tout ce qui amène une interprétation particulière à ta parole, mauvaise connaissance, nous les chassons dans le lieu aride au nom de Jésus. Que tu puisses régner comme étant le seul roi au milieu de nous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Prenons nos Bibles. Prenons le livre de Josué. Je commence par le Josué 5. Je commence par le verset 1 jusqu'à verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Josué 5 pour les gens. Regarde peut-être, quand tu regardes ici, tu vas regarder encore la Bible, je ne sais pas quel jour. Regarde, dis-moi. Josué 5, je commence par le verset 1. Lorsque tous les rois des Amoréens, à l'occident du Jourdain, et tous les rois des Cananéens, près de la mer, après que l'Éternel avait mis à sec les eaux des Jourdains devant les enfants d'Israël. Jusqu'à ce que nous soyons passés, ils perdirent courage et ils furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. À ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi un couteau de pierre, circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Araroth. Voici la raison pour laquelle Josué circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte des hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, pendant la route, après leur sortie de l'Égypte. Tous ces peuples sortis de l'Égypte étaient circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie de l'Égypte, n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marcher 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis de l'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. Et l'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous les donner, pays qui coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué leur circoncis, car ils étaient des circoncis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'il y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans un camp jusqu'à la guérison. Et l'Éternel dit à Josué, j'ai roulé du dessus de vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fit appeler le nom de Gilgal à ce jour. Prenons encore deux rois.
2 Rois. 2 Rois 2. Je commence par le verset 1. 2 Rois 2. Je commence par le verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Le fils des prophètes qui était à Bethel sortir vers Élisée lui dire, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit à Élisée de rester ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé à Jéricho. Et il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils des prophètes qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, restez ici, je te prie, car l'Éternel m'a envoyé au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous les deux le chemin. Les 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient en distance vis-à-vis. Et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'il y passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux, je le fasse pour toi. Avant que je sois enlevé d'avec toi. Et Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon ça n'arrivera pas. Prenons encore une autre écriture. Attendez un peu, ça doit être Marc 12, je ne me trompe pas. Ça m'échappe un peu, mais je vais le retrouver même après. Sinon, je vais prendre. Bon, je le vis. Luc 12, je commence par le verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désir s'il est né déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Je vous dis mal, mais la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3.
le père contre le fils contre le père, la mère contre la fille et l'ami et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Ils diront aux foules, quand vous voyez les nuages lever occident, vous dites aussi, la pluie vient et il arrive. Prenons pour terminer 1 Pierre 4. On va lire encore 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 1 jusqu'à verset 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans sa chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non selon la convoitise des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivronnerie, l'orgie et l'idolâtrie criminelle. Aussi trouve-t-il étranger que vous ne vous participez pas avec eux dans le même débordement de débauche et il vous calomnie. Pour terminer, Apocalypse 21, je crois bien on va s'arrêter un peu là-bas. Apocalypse 21, je commence par le verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la muraille avec les roseaux, il trouva 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en était égal. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous parlons un peu, je crois bien, nous tendons déjà vers la, pour mettre un peu virgule, c'est ce que nous sommes en train de prêcher, sur la taille d'un adorateur. Nous avons dit ceci, l'adorateur c'est celui qui fait une marche du parvis jusqu'à Cana. Entre Cana et l'Égypte, il y a ce que nous appelons le désert. Le désert, nous l'avons appelé comme étant le baptême de feu. C'est-à-dire, celui qui passe par le baptême de feu, l'entre en Cana, il a atteint la vraie taille d'un adorateur. Ici aussi en Cana, il y a encore des préalables, une autre marche que nous allons expliquer aujourd'hui, que Élie devait être accompagné d'Élisée pour marcher de Gilgal jusqu'à Jéricho. Mais nous avons dit ceci. Ici, dans le désert, il y a une moitié de Cana, un petit portion de Cana. C'est-à-dire, Dieu étant le propriétaire de l'héritage, comme père, parce que la Bible dit, n'appelez personne sur la terre père, parce qu'il y a un seul père qui est au ciel. Le Seigneur, comme étant le père de tous, pour donner à ses enfants l'héritage, il faut que ses enfants atteignent ce que nous appelons la maturité, mais l'âge d'accéder à l'héritage. Tu peux être grand par rapport à la chair, tu peux avoir des cheveux blancs, mais peut-être par rapport aux choses de Dieu, tu es un enfant. Le Seigneur ne permettra pas que tu puisses avoir son héritage. Tu peux avoir le moyen qui est tout à fait correct. Tu peux permettre pendant le jour de ta chair que tu aies des moyens. Mais le moyen selon Dieu et le moyen selon les hommes, c'est différent. Le moyen selon Dieu, Dieu fait de toi un gérant de ses biens. Mais le moyen selon les hommes, c'est ton propre argent, tu peux le gaspiller. Tu peux en faire ce que tu veux parce que ça t'appartient. Mais Dieu et la bénédiction que tu reçois là, ce n'est pas une bénédiction par rapport à Dieu. Parce que le franc-maçon, les occultistes, les sorciers, ils ont beaucoup d'argent.
Mais cet argent-là ne sert à rien par rapport au plan de Dieu. Dieu le permettra qu'il y ait encore ces moyens, afin qu'il ne puisse pas se repentir. L'argent peut être un pierre d'achoppement pour toi. Le mariage peut être un pierre d'achoppement pour toi. Tu peux voir que tu as trouvé un bon mariage, mais ce mariage-là, c'est afin que tu puisses aller dans l'enfer. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi Dieu a posé une unité de mesure. Que tout le monde doit répondre à cette unité. Et cette unité-là, c'est là qui te fait égal à Dieu. Nous voyons dans la vie ou bien chez les coutiers qu'on appelle les patrons. Les patrons, c'est le modèle qu'on prend pour faire un habit. Donc, c'est-à-dire, dans d'autres termes, le Seigneur, c'est le patron de Dieu. Qu'on doit mesurer tout le monde par rapport à cette unité de mesure. Voilà pourquoi, pour que l'écriture soit valable, le Seigneur lui-même, il a participé dans la chair. Il a marché aussi comme étant un homme. Il a mangé comme étant un homme. Parce que la Bible dit il était homme, c'est-à-dire il avait aussi le sang comme nous. Il souffrait parce que l'Écriture dit un jour, il a pleuré aussi comme si les gens pleurent. Ça c'est la Bible, Hébreux 5. Il a pleuré aussi les jours de sa chair. C'est-à-dire il avait le même sentiment que les hommes. Tout ce que tu sens dans ton corps, le Seigneur aussi le sentait. Mais du moins, il avait la capacité de vivre et d'être sans péché. Pour qu'il puisse nous servir d'exemple, quand nous allons croire, que nous puissions aussi marcher comme lui, il a marché. Voilà pourquoi il a dit, premièrement, c'est Israël qui est sorti en Égypte. Je crois que le docteur Moïse l'a déjà prêché une fois ici. C'est Israël qui est sorti en Égypte. Mais le jour que le Seigneur s'est enfui en Égypte, et le jour que le Seigneur est sorti en Égypte, l'Écriture répète encore, j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. C'est l'Écriture que Israël, comme étant un peuple, était sorti en Égypte. Le Seigneur voulait montrer que c'est lui qui était aussi le vrai Israël, qui est sorti de l'Égypte. Quand il sort de l'Égypte, il doit être aussi baptisé, parce qu'Israël était baptisé à Moïse. Voilà pourquoi le Seigneur aussi était aussi baptisé. Que le Seigneur bénisse. De la même manière que Israël a enduré 40 ans dans le désert, le Seigneur aussi, après avoir été baptisé, la Bible dit « conduit par le Saint-Esprit dans le désert ». Or, le Saint-Esprit pour Israël, c'était qui? C'était la colonne de feu. C'est-à-dire, c'est la colonne de feu qui a conduit l'Israël afin qu'il puisse passer par le désert. Le désert, c'est là où nous allons endurer plusieurs épreuves. Parce que la vie chrétienne sans les épreuves n'est pas la vie chrétienne. Les épreuves se diffèrent de l'un à l'autre. Tu peux avoir un bon mariage, mais Dieu te donne les épreuves financières. Tu peux avoir le finance, mais Dieu te donne les épreuves dans le mariage. Tu peux avoir les finances, tu peux avoir le mariage, mais Dieu te donne les épreuves par tes enfants. C'est-à-dire, Dieu ouvrira toujours une porte pour le baptême de feu, vouloir ou pas. Or, le baptême de feu, le Seigneur dit, je ramenais le feu sur la terre. C'est-à-dire, la présence de Jésus sur la terre, c'était la présence du feu. Quand l'écriture que nous avons lue, le Seigneur dit, je veux participer à un baptême. C'est-à-dire le Seigneur aussi. Le baptême que le Seigneur parlait, c'était la souffrance qu'il devait endurer à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui souffre, il finit avec la chair. De la même manière aussi, le Seigneur devait souffrir à la croix pour finir avec la chair. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons nous armer aussi de cet sentiment. C'est-à-dire dans la vie, celui qui souffre, si ce n'est pas par le péché, c'est-à-dire le Seigneur fait qu'il puisse en finir avec la chair. Parce que la chair, c'est l'ennemi de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Donc la chair, c'est l'ennemi de Dieu. Je prends une écriture. Dieu, au temps de Noé, parce que le feu et l'eau, la pluie qui était descendue au temps de Noé, c'est la même chose avec le feu qui était descendu à Sodome et Gomorrhe.
La terre était corrompue, remplie du péché, et le Seigneur a envoyé la pluie. Le rôle de la pluie, c'est quoi? Mettre fin au péché. Dans d'autres termes, pour que le Seigneur mette fin au péché, il faut que la pluie vienne. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le Seigneur doit créer un ciel, un terre nouveau. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, dans la création, quand vous lisez la Bible dans Genèse 1, la Bible dit Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Et Esaïe nous explique que les cieux, c'est le trône de Dieu et la terre, c'est le marchepied de Dieu. Est-ce que, prenons un peu de raisonnement normal, est-ce que le ciel ici que nous voyons, c'est le ciel que Dieu habite? Je ne crois pas. Parce que les fusées, les avions, c'est-à-dire ils ont déjà troué le ciel de Dieu, le trône de Dieu. Et la terre, si c'est le marchepied de Dieu, je te vois marcher, je vois les sorciers marcher, je vois les voitures marcher sur les marchepieds de Dieu. Ça ne servira à rien. Mais le ciel et le marchepied de Dieu, c'était la personne de Christ. Parce que Christ, c'était le trône où Dieu est venu habiter. Christ, c'était le marchepied de Dieu. C'est dans d'autres termes, nous avons vu Dieu marcher dans le corps de Christ. Et de la même manière, cette écriture doit aussi prendre la vie en toi. Tel que tu es là, tu es le trône de Dieu. Tel que tu es là, tu es le marchepied de Dieu. Tu es le trône de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu habite en toi. Tu es le marchepied de Dieu, pourquoi? Nous devons voir Dieu marcher au travers de ta vie. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand tu marches, nous voyons que c'est Dieu qui est en train de marcher dans ta vie. Et le marchepied de Dieu, c'est quoi? Nous devons voir la parole de Dieu marcher. Il faut que tu sois la parole qui marche. Ne pense pas que c'est cette terre ici, c'est celui qui le marche. Non, parce qu'en nous, il y a une portion céleste et il y a aussi une portion terrestre. La portion terrestre, céleste, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous. Et la portion terrestre, le Saint-Esprit nous donne la capacité de vivre la vie de Dieu et d'expliquer. Parce que l'explication, ce n'est pas seulement ce que moi j'explique. Mais l'explication, c'est ta vie quand les gens lisent Christ au travers de toi. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, comme la terre qui est la chair, la création était soumise à la vanité, Dieu devait faire encore pleuvoir la pluie. Dieu devait refaire encore la création. Voilà pourquoi Dieu a fait tomber la pluie pour que la terre rentre encore dans l'eau. Or, quand la terre rentre dans l'eau, lisez la Bible, tu verras que les cieux étaient créés par les eaux. La terre aussi a été tirée dans les eaux. Il faut que la terre rentre encore dans l'état initial. Voilà pourquoi quand la pluie a couvert toute la terre, et Noé, quand il est sorti, la Bible dit Noé a commencé à s'aimer encore. C'est la terre que Noé a s'aimée et la terre qu'avant la pluie, ce n'est pas la même terre. La terre que Noé habitait, c'était la terre corrompue. Mais la terre que Noé a commencé à s'aimer, c'était la terre créée de nouveau. Que le Seigneur bénisse. C'est dans d'autres termes, Dieu devait refaire la vie d'un chacun de nous. Parce que la naissance que nous avons héritée par la chair, ça n'a pas réussi. Voilà pourquoi Dieu devait faire maintenant pleuvoir. Voilà pourquoi nous écoutons la parole, afin que la parole, comme étant les eaux, qui puisse nous couvrir, afin que nous puissions naître maintenant de la parole. Parce que l'Écriture dit que chaque espèce produit selon son espèce. C'est-à-dire, si Dieu est la parole, il va mettre naissance aussi à la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi Dieu a envoyé la pluie. Et la pluie qui s'explique maintenant par le feu. Je reprends encore ce que je prêchais quand je commençais. Voilà pourquoi le feu devait descendre de Sodome et Gomorrhe. Pour consumer le péché qui était à Sodome et Gomorrhe
et faire échapper, faire sortir dans le feu Lot et ses enfants. Voilà pourquoi, tel que nous sommes les toisons arrachés dans le feu. Parce que la terre que nous vivons, c'est une fournaise. Ne vois pas seulement la fournaise, c'est là où on a mis Meshach, Shadrach, Abednego. Mais la terre que nous vivons ici, c'est une fournaise. Tu ne seras pas éprouvé au ciel. Les épreuves, tu vas les vivre ici sur la terre. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi le Seigneur nous a ouvert les chemins du désert. Mais en étant dans le désert, Dieu nous a fait goûter une portion du ciel. C'est les trois tribus qui restent de l'autre côté. C'est-à-dire, bien que nous allons vivre la persécution, mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Lisez cette écriture très bien. L'écriture dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour jeter les pierres, et il y a un temps pour ramasser les pierres. Voilà pourquoi quand on a amené la femme attrapée dans l'adultère, ce n'était plus le temps de jeter les pierres, mais c'était le temps de déposer les pierres. Parce que le temps de jeter, de lapider, c'était le temps avant la venue du Seigneur. Ou quand quelqu'un commettait une faute, la loi le condamnait. Mais quand le Seigneur est venu, il est venu pour mettre fin à cette dispensation. Voilà pourquoi le Seigneur, pour mettre fin à cette dispensation, le Seigneur a commencé à dire premièrement, « Si tu vois la paille dans l'œil de ton prochain, sache-le que dans ton œil, il y a la poutre. » Voilà pourquoi le Seigneur qui a dit, « Celui qui n'a pas la poutre sur ses yeux, qu'il jette la pierre à cette femme. » Parce que les poutres, c'était le péché. Et chacun, il a pris la pierre. Comme c'était le temps de déposer les pierres, il a déposé les pierres. Vous savez, si aujourd'hui on va lapider tout le monde, personne ne sera sauvé. Si on dit de lapider tout le monde, personne ne sera sauvé. Donc toi, tu vas me lapider, lui aussi, il va te lapider. L'autre, donc, c'est personne ne va vivre. Voilà pourquoi la grâce, Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Mais Dieu veut que tout le monde puisse parvenir à la repentance. Le rôle de la parole que nous écoutons, que la parole puisse nous ramener dans la repentance. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, le Seigneur a permis pendant 40 ans, de la même manière que la pluie au temps de Noé était descendue, la pluie était descendue pendant 40 jours. Bibliquement, 40 jours et 40 années, c'est la même chose. Un jour égale à une année égale à un jour. C'est-à-dire, le rôle de la pluie, c'était que les montagnes puissent disparaître. Les montagnes, c'était quoi? Ce sont les royaumes que le Seigneur a permis que quand Israël était sorti en Égypte, qu'ils puissent rencontrer sur leur parcours plusieurs royaumes. Que le Seigneur bénisse. Ce qui dérange aujourd'hui dans l'évangile, c'est quoi? Au temps de Noé, le premier jour que la pluie est descendue, la pluie a englouti certaines montagnes. Parce que la perfection, c'était un processus. La pluie a englouti certaines montagnes. Mais il y a aussi les montagnes qui ont résisté quand la pluie était descendue le premier jour. Mais au cinquième jour, ces montagnes étaient englouties. Mais il y a aussi les montagnes qui ont résisté jusqu'à la 39e jour. Parce que le 40e jour n'était resté qu'une seule montagne qui était la montagne de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse. C'est pour dire quoi? Dans la vie chrétienne que nous avons crue, il y a certains péchés. Quand j'écoute la parole, il faut que ça disparaisse. Mais il y a aussi certains comportements, avec le temps, en écoutant la parole, ces comportements aussi doivent disparaître. Je vais prendre des exemples terre à terre. Nous savons qu'ici en Europe, nous les Africains, beaucoup sont venus voler dans les magasins. Beaucoup ont déjà volé plusieurs fois. Imaginez que on va à Carrefour, on trouve moi avec le pasteur Armand en train de voler. Voler au Carrefour. Mais ça serait un scandale. Ce sont des péchés. Mais vous direz que non, lui, de la manière que la pluie est déjà descendue dans sa vie, il ne peut pas voler.
C'est-à-dire l'évangile, de la manière que nous marchons, il y a certaines choses, des mensonges qui sont inutiles. Parce qu'il y a des gens qui ont le don des mensonges. Même s'il écoute la parole, lui, les mensonges, c'est automatique. Donc, c'est-à-dire qu'il est directement connecté avec les mensonges. Vous savez, la connexion, il suffit que les réseaux montent seulement. Ah, les messages commencent à descendre là-bas. Que le Seigneur bénisse. Il faut que la pluie, quand il descend de la vie d'une personne, il y a certains comportements que nous devons laisser. Vous savez, exemple, il faut que je vous donne beaucoup d'exemples. Exemple, si une femme injurait son mari, c'est un scandale, c'est mauvais. Mais les gens peuvent supporter. Mais s'il arrivait qu'une femme fait l'adultère, ça sera le plus grand scandale. Il y a certains péchés, en écoutant la parole, en avançant dans la foi, on ne peut plus les faire. Parce que nous avons déjà avancé. J'ai déjà écouté les péchés dont l'autre, la parole, il a déjà étouffé. Il a déjà brûlé ma chair sur cette chose. Mais il y a encore d'autres qui résistent à moi. Parce que quand tu atteins la perfection, tu dois aller au ciel. Dieu ne permettra pas que dans cette chair que nous puissions atteindre la perfection. Il va laisser une portion de l'imperfection que tu mets avec ça, mais au jour de la résurrection. Parce que l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 15, la semence qui est semée incorruptible, dans la résurrection, il va résister avec plein de force. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Israël, quand il arrive ici, il doit entrer maintenant en Cana. Il doit traverser la mer Rouge. Il doit traverser Jourdain. Je crois que Jourdain, c'était la chair du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur devait vraiment souffrir lui-même par le baptême de feu, qui est l'œuvre de la croix, qui était le chemin incontournable pour le Seigneur. Il a vu même cette œuvre de loin. Il a pleuré, il dit si c'était possible, mais à la fin, il dit que le Seigneur, que ta volonté soit faite. Il a dit, il a précisé que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Voilà pourquoi dans l'évangile, nous disons, quand nous parlons de la femme qui est faible, ce n'est pas seulement la femme qui met la voile, mais la femme, c'est cette chair que nous portons qui est faible, l'esprit, c'est l'homme. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi, même si une femme il est sauvée aujourd'hui, il n'y a pas des anges femmes. Il n'y a pas d'ange Gabrielette. Il n'y en a pas. Pour dire que si nous serons semblables aux anges, c'est-à-dire nous serons les esprits comme étant les hommes. Que le Seigneur bénisse. Et quand ils ont traversé maintenant Jourdain, on va expliquer avec le temps, ils ont traversé Jourdain, Dieu dit maintenant à Josué, fais le couteau de pierre pour circoncire tout celui qui n'était pas circoncis. Parce que tous les gens qui étaient nés ici n'étaient pas circoncis. Mais les gens qui étaient nés en Égypte étaient circoncis. La Bible les appelle les hommes de guerre, les hommes forts. C'est par là que je comprends. Les hommes forts n'hériteront pas le royaume des cieux. Les hommes forts ne peuvent pas recevoir le secours de Dieu. Quand quelqu'un se voit encore fort, quand quelqu'un se voit encore capable, celui-là, sa main de Dieu doit tarder dans sa vie. Quand quelqu'un se voit maintenant sans force, c'est à ce moment que le Seigneur sera sa force. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, beaucoup de femmes ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'ils se confient à leur beauté. Mais pourtant, charnellement, souvent, les belles femmes se marient rarement. Parce que tous les maris ont peur de lui. La beauté, c'est une bonne arme, mais la beauté aussi, c'est une mauvaise arme. Je vais donner une écriture. Que dit Abraham à Sarah quand il s'est parti en Égypte? Il dit, tu es trop belle. Ta beauté va me tuer. Dis seulement que je suis ta sœur afin que je puisse bénéficier de ta bienveillance. Sinon, ils vont me tuer.
Que le Seigneur bénisse. Ils vont me tuer à cause de la beauté. Donc la beauté, c'est une très bonne arme, mais la beauté aussi, c'est une arme dangereuse. Je prends encore une deuxième écriture. Isaac, tellement Rebecca était belle, parce que la Bible est témoin de la beauté de Rebecca. Il a dit, non, non, le roi des Philistins, j'essaie là-bas, on va me tuer. Mais je veux que tu dis que je suis ton frère. Mais le roi, pendant qu'il regardait Isaac sur la fenêtre, le blague qu'il faisait, il dit, non, 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 non. Ça, ce ne sont pas des frères, ça, c'est sa femme. Je vais tirer un peu d'instruction là-bas. Je vais équilibrer un peu d'instruction là-bas. Hein? Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, dans cette vie, on doit remarquer aussi l'harmonie de la vie d'un couple. Il y a certaines réalités, certains mécanismes humains qui permettent de voir que ce couple est tenté de vivre une vie joyeuse, qui sont mari et femme. C'est par ces blagues-là que le roi a compris, ça c'est mari et femme. Mais il y a des gens qui viennent dans l'église, je ne sais pas s'ils sont des aimants opposés. Parce que vous savez, l'aimant c'est quoi? L'aimant opposé. Les aimants, quand vous les faites comme ça, vous cherchez à les faire comme ça, il y a une force qui fait que ça ne se colle pas. Que le Seigneur bénisse. Les gens croient être mari, c'est avoir le caractère des lions. Par rapport aux hommes, il faut que nous voyions aussi la sérénité, la joie d'être en couple. Ça crée aussi, ça donne aussi aux jeunes mariés la volonté d'imiter les autres. Vous êtes là, la femme est déjà fâchée. L'homme est déjà fâché. Vous venez à l'église, là, tous les deux fâchés. Tous les trois fâchés. C'est diabolique. Vous êtes satanique. Vous savez, nous on a grandi, nous on n'a pas eu la chance. Moi mon fils il court, il joue, mais nous on n'a pas grandi comme ça. Nous les pères c'est un lion. C'est-à-dire quand la voiture sonne déjà de loin, la maison c'est la panique. Tout c'est en ordre. Maman ne bouge pas, votre père est venu. Même la maman a peur. Mais le matin, après un an, on va voir un petit frère. Après 2 ans, on va voir encore notre petit frère. C'est-à-dire, il est méchant au salon, mais il est gentil dans la chambre. Que le Seigneur bénisse. Nous voulons voir cette gentillesse aussi dans la vie, parce que nos mariages doivent être un exemple pour les enfants dans nos propres maisons. Et que les gens aussi nous voient, que notre mariage soit un enseignement. Vous savez, les enfants que nous avons, les enfants ont grandi. Depuis que les enfants ont grandi, on n'a jamais vu papa et maman gentils. Jamais. Papa et maman, toujours, ils sont fâchés. Dans les salons, ils sont fâchés. Celui-là, il est en train d'appeler le téléphone. Celui-là, l'autre, là, il est en train de regarder l'Internet. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas une communion, une union. Vous savez, nous on croyait que la sanctification, c'est être comme ça. Donc même la femme, tu ne le regardes pas, tu fais comme ça. Tu vas te tromper. Que le Seigneur bénisse. Vous savez, sinon, les enfants que nous avons, ils diront que le mariage n'est pas bon. Mais pourtant, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire, Dieu a créé la femme pour enlever la tristesse de l'homme qui se voyait seul. Mais il y a beaucoup qui sont en prison, des femmes, mais ils sont seuls. Mais prie dans toi aussi, j'ai jamais vu en harmonie avec ta femme. Je vois l'autre, ta femme s'assoit là-bas, tu es ici. Je ne vous ai jamais vu avec un sourire. Là, j'ai dit avec vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais le roi, un roi païen, il a compris par les blagues. Voilà pourquoi nous disons ceci. Dans cet évangile, les sœurs et les frères ne font pas de petites blagues.
Oh, tu es mon frère, tu viens, tu es mon frère. Non, ça ne se fait pas dans cet évangile. Les blagues ici, c'est le mari et femme. On sourit avec la bouche, mais on ne sourit pas avec les mains partout ou n'importe où. Parce qu'un jour, ta main va se déplacer pour aller loin. Mais on était païens. On n'est pas seulement devenu chrétien. La main, c'est un testeur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, la beauté, c'est bon. C'est un moyen que le Seigneur t'a béni. Mais la beauté peut devenir dangereuse. Tu peux mourir à cause de la beauté. Il rit, il est mort comme ça. À cause de la beauté de sa femme. David, quand il a convoité la femme d'Iri, il dit, si Iri reste vivant, j'aurai des problèmes. Il faut qu'Iri meure. Iri aussi, il vient. Parce que, prophétiquement, il y avait un pensée. La Bible dit, on ne peut pas avoir deux semences dans le même champ. C'est Iri, quand il est venu spirituellement, comme David avait déjà semé dans ses champs, lui ne pouvait pas venir semer une deuxième semence. Va à la maison, non, je dors ici. Dieu fera que tu... les jours-là qu'il dort là-bas. Et après, demain, David dit, non, non, la loi est là, ils vont me tuer. Allez, toi, prends la lettre, va mourir. On lui a écrit, va, mets-le dans le champ de bataille. Bien que Iri représentait aussi le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il est venu avec la lettre de sa propre mort. Et les seuls qui pouvaient comprendre que le Seigneur devait mourir, c'était qu'un prophète. C'est-à-dire, celui qui a accusé Jésus à la mort, c'était Jean-Baptiste. Parce qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Or, on ne pouvait pas ôter les péchés sans pourtant égorger l'animal. Le Seigneur devait mourir pour enlever le péché. Pendant que les gens voyaient le Seigneur avec deux pieds, mais Jean-Baptiste a vu le Seigneur un animal avec quatre pieds. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, quand Israël est entré ici, les gens qui n'étaient pas circoncis ici, pour entrer dans l'héritage, ils ont été rattrapés de l'autre côté du Jourdain. Dans la vie chrétienne, si tu n'as jamais traversé le désert, il y a une différence entre le jugement du péché et le désert. Les autres, ce qu'ils traversent, ce n'est pas le désert, mais c'est le jugement du péché. Parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu souffres, que parmi vous, personne ne souffre comme étant un meurtrier, ou quelqu'un s'ingérant dans le problème d'autrui. Et tu peux aussi souffrir en s'ingérant des problèmes d'autrui. Il y a beaucoup de gens, ils aiment s'ingérer à tout. Ils disent, vous savez, je vous dis chaque fois, il faut enlever la mentalité congolaise. C'est un grand virus. Ou bien encore, c'est un kyste. Parce qu'un kyste, c'est un microbe qui prend la forme résistant. Tu vois quelqu'un. Nasombi makambangongai. Mais est-ce que ça te regarde? Nasombi ongas comme nakobundela. La Bible dit que personne ne souffre en s'ingérant dans le problème d'autrui. Vous savez, moi je ne peux pas pécher pour une autre personne. Je veux que si je pêche, que ce soit mes propres péchés. Moi je ne pécherai pas pour les problèmes d'un autre. Je ne le ferai pas. Mais il y a beaucoup, ils souffrent, non. Dieu l'a traversé par le désert, mais il souffrait pour les péchés. Que le Seigneur bénisse. La souffrance du péché, il arrive. Hein? Je vais donner un petit exemple. Le vécu il y a 3-4 jours. J'ai même ça dans mon appareil, mais ce n'est pas important. Je ne serai pas l'anneau de la personne. Il y a une sœur mariée, soi-disant pasteur. Je l'ai conseillé, non? Garde-toi, la sanctification, c'est la base des choses de Dieu. Oh non, moi comme ça. Mais il est venu en Angola. Il a pris le téléphone de Marie. Le mari aussi, comme il n'était pas sérieux, il avait déjà, pendant 7 mois de séparation, il a déjà pris d'autres engagements. Oh non, voilà mon mari, regarde les... L'homme aussi a pris son téléphone.
Quand l'homme a ouvert le téléphone de la femme, c'est le plus grand scandale qui était dans ce téléphone. Et l'homme a transféré tous les messages dans son téléphone. Il a pris maintenant les messages de la femme. Il a commencé à envoyer. Mais je te dis, la femme, si je te fais écouter, dans moi qu'il perd, oh, mon cœur, c'est le feu dans mon cœur. Oh, les pieds, les tensions, je vais mourir. Ça, c'est souffrir par rapport au péché. Dieu te fera que ton cœur ici, ton cœur commence à brûler là-dedans. Ah, mutemamoto, makolo. Tu sais, tes pieds ici, ça peut t'empêcher à se lever pour marcher. Tu peux mettre un petit tombe. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. Mais le désert, c'est le baptême de feu. Pour que Dieu retire la terre. C'est ce que Dieu a fait qu'Israël est entré maintenant. Parce que les fils et les pères, c'est la même chose. Les fils, c'est la continuité du père. Voilà pourquoi nous disons ceci. Par les conseils, par la connaissance. Un enfant, c'est toi-même. Un enfant, c'est toi-même. C'est-à-dire, quand tu regardes ton enfant, tu regardes comment toi-même tu es en train de grandir. Parce que même biologiquement, médicalement, l'enfant détient le tout du père et le tout de la mère. Même si c'est un garçon, c'est toi-même. Même si c'est une fille, c'est toi-même. C'est-à-dire, si tu étais une fille, tu serais comme c'est la fille. Là. Si tu étais un garçon, tu serais donc l'enfant détient le tout du père. Et l'enfant détient le tout. L'enfant, c'est la continuité du père. Je donne maintenant l'écriture. Un jour, les enfants d'Israël disaient, quand ils regardaient le tombeau des prophètes, ils ont dit, si nous étions, ça c'est, je crois bien, Matthieu 23, si nous étions au temps de nos pères, on n'allait pas tuer les prophètes. Jésus leur répond, ça montrait que vous êtes les enfants de ceux qui ont tué les prophètes. C'est-à-dire, l'esprit de vos pères est en vous. Tuez-moi seulement que la coupe soit remplie. C'est le même esprit qui était chez le père. C'est le même aussi esprit qui était chez le fils. Je m'explique charnellement. Vous savez, si aujourd'hui, l'humanité, on sait que tu es un enfant d'Hitler, on va te tuer. Si on repère par hasard qu'il y a un enfant d'Hitler qui a survécu, on va t'éliminer. Parce qu'on sait que l'esprit d'Hitler est en toi. Que le Seigneur bénisse. Dieu a permis qu'en arrivant ici, après 38 ans d'errance, où tous les hommes de guerre devaient mourir, afin que Israël entre en Canaan. En entrant en Canaan, la première chose, c'est quoi? Le premier arrêt, c'est Gilgal. Gilgal, c'est la circoncision. On prend un couteau, tu es avec tes vêtements, tu viens avec ton âge, enlève les habits. Oh, il y a des enfants, enlève. Circoncision. Tu sais, quand tu te circoncis, que tu es un enfant, c'est bien. Mais quand tu te circoncis, quand tu deviens adulte, c'est difficile. Parce qu'un enfant, si on le circoncis aujourd'hui, le soir, il peut jouer. Mais si on te circoncis un adulte, tu feras même une semaine avec la pagne. Tu es tenté de marcher. Tu as toujours les douleurs même de se lever. Même quand tu dors la nuit, ça te fait du mal. C'est pour dire que quand tu rates le désert, si tu es un enfant de Dieu, Dieu va concentrer maintenant le baptême de feu. Il va le concentrer pour le récupérer ici. Et quand Dieu va le récupérer, le baptême de feu, pour que la circoncision, c'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand on écoute la parole, c'est ce que Nicodème a dit. Est-ce que moi, tel que je suis un vieux, je vais rentrer encore dans le ventre de ma mère? Parce que Nicodème a compris que la nouvelle naissance, c'était naître de nouveau. Mais le moyen de cette naissance qui échappait à la connaissance de Nicodème. Maintenant, le Seigneur dit,
Celui qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, il y a la naissance selon la chair. Il y a aussi celui qui est né de l'eau. Celui qui est né de la parole. C'est-à-dire, quand la parole abonde abondamment en toi, cette parole va faire naître une nouvelle vie dans ta vie. Qu'elle s'en bénisse. Mais dans cette nouvelle vie, c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui, dans cette nouvelle vie, il y a maintenant une autre marche qui commence. Ici maintenant, on est à Cana. Cana est divisé en trois parties. Il y a Gilgal, il y a Bethel et il y a Jéricho. Je m'explique parce que je vais compter le jeudi et le dimanche. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision. Bethel, c'est là où Jacob a mis la tête sur la pierre pour voir que ici c'est la maison de Dieu. Jéricho, c'est la ville des palmiers. Or, Psaume dit, les justes croissent comme étant les palmiers. C'est-à-dire, les palmiers, c'est la stature parfaite d'un chrétien. C'est-à-dire, pour atteindre cette stature, il faut quitter de Gilgal, Bethel, jusqu'à Jéricho. Et c'est ce que nous appelons le manteau que Élie a laissé à Élisée, nous appelons ça le baptême du Saint-Esprit. Mais ici, à Gilgal, le lieu des opprobres, c'est là où Élie commence la marche avec Élisée. Pourquoi il n'a pas commencé la marche dans l'autre côté du désert? Il a commencé à Gilgal, parce qu'on appelle Gilgal, c'est le lieu où Dieu a enlevé l'opprobre de l'Égypte. C'est le lieu où Dieu a enlevé la honte de l'Égypte. C'est-à-dire, le péché, c'est honteux par rapport à la pensée de Dieu. Vous savez, si Dieu avait fait que nous puissions sentir l'odeur du péché, personne ne va s'asseoir à côté de l'autre. Parce que quand nous allons venir avec seulement le nez, ici, il y a l'impudicité. C'est qui? Ici, il y a les mensonges. C'est qui? Si Dieu avait permis que l'odeur de chacun, que nous puissions les sentir, personne ne va s'asseoir à côté de l'autre. C'est ça le merveille de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, Dieu commence sa marche avec Élisée, à Gilgal. Parce qu'à Gilgal, c'est là où la circoncision s'est faite. À Gilgal, c'est là où la nouvelle naissance s'est manifestée. Quand on est né de nouveau, on grandit progressivement. Ce n'est pas seulement le fait de naître de nouveau qu'on devient grand. L'Écriture dit, aussi longtemps que notre homme extérieur se détruise, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. C'est la destruction de la chair, c'est la croissance de l'homme intérieur. Que le Seigneur bénisse. Pourquoi Dieu a commencé avec Élisée? Dieu voulait aussi montrer pour les gens qui vont commencer à servir Dieu. Dieu ne peut pas commencer la marche avec quelqu'un qui est appelé dans le ministère si premièrement il n'a pas passé par la nouvelle naissance. Ce qui détruit beaucoup de choses dans le ministère aujourd'hui, c'est le favoritisme qui s'est glissé dans l'œuvre de Dieu. Parce que le ministre a l'œil de voir. Si la personne est née de nouveau ou il n'est pas né de nouveau. Parce que quand on mesure la muraille, la porte, la ville directement, la ville devient en carré. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 21. Que le Seigneur bénisse. Qu'est-ce qui fait que nous ayons les mêmes unités de mesure? Je rentre un peu dans la loi. L'Écriture dit, quand Israël sortait pour ramasser la manne, il n'y avait qu'une unité de mesure qu'on appelait un homère. C'est-à-dire, celui qui ramassait beaucoup, celui qui ramassait peu, quand on mettait dans l'unité de mesure, on va trouver qu'il y a un seul homère.
C'est-à-dire, si j'entre dans la maison de Doudou, je vais trouver un homère. Si j'entre dans la maison de quelqu'un d'autre, je trouve un homère. Si j'entre dans la maison de Prida, je trouve un homère. Ton nom me fuit comment? Si j'entre dans la maison d'Anaël, je trouve un homère. C'est-à-dire, pour que nous ayons les mêmes mesures, c'est un homère qui se trouve dans nos maisons qui fait que nous tous nous ayons la même mesure. C'est pour dire ceci. Si nous trouvons l'unité de mesure de la parole d'un homère, c'est le pasteur Armand, on va trouver aussi les mêmes mesures, unités de mesure chez moi. C'est cette unité qui fera que nous tous nous ayons la même mesure. Voilà pourquoi, quand on est venu arrêter le Seigneur, on ne pouvait pas distinguer celui-ci, c'était le Seigneur. Pourquoi? Tous ceux qui étaient avec le Seigneur, tous avaient la même mesure. Et quand on regardait Pierre, on ne savait pas qui est Pierre. Quand on regarde, même si Pierre était plus âgé que Jésus, mais quand on est venu arrêter le Seigneur, on ne pouvait pas savoir que ça c'est Pierre. On ne pouvait pas savoir que ça c'est Jacques. Parce que l'unité de mesure a fait d'eux qu'il y ait tous la même mesure. Et la parole que nous écoutons, cette unité de mesure, doit nous réunir afin d'atteindre la même mesure. Quand je dis que le même face, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand on vient pour voir la vie qu'une sœur ou bien sourire est en train de mener, on doit trouver la même unité de mesure quand on vient chez Djamela. Mais quand on vient, on trouve une mesure, on comprend qu'ici, il y a un problème. Comment il y a ici une autre unité? Il y a encore une autre unité. Je prends un exemple terre à terre charnel. Vous savez, je trouve que, j'ai déjà prêché ça, je ne sais pas ici ou bien à Bruxelles. J'ai dit ceci, le plus grand erreur dans les églises aujourd'hui, dans le mariage, c'est quoi? Jacob, quand Léa était entrée dans le mariage de Jacob, Jacob a pris une nourrice, il l'a donnée à Léa pour lui assister dans le mariage. Paul dit, nous sommes des nourrices, c'est-à-dire le nourrice et le ministre. C'est-à-dire s'il y a un mariage dans l'église, il faut que le ministre sert le nourrice pour accompagner le marié. Mais souvent, qu'est-ce qu'il arrive? Tous les temps, le ministère n'a pas accompagné le mariage, mais le jour que les problèmes vont naître dans le mariage, le ministre maintenant va intervenir pour donner les conseils. Mais tu étais où quand il y a les problèmes avant d'intervenir? Laissez-moi venir. Parce que le mariage ici, déjà la promesse, il y aura des persécutions. C'est-à-dire, quand quelqu'un s'engage dans le mariage, il faut l'accompagner dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas facile. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur encore vous bénisse. C'est-à-dire l'unité de mesure doit faire de nous que nous ayons tous la même mesure. Que le Seigneur bénisse. Et si nous prêchons la parole doit faire de nous tous la même mesure. C'est-à-dire nous devons commencer la marche à Gilgal parce que c'est à Gilgal que Dieu enlève le pauvre. Le pauvre c'est quoi? Le pauvre c'est le péché. Afin que nous puissions naître de nouveau. Le salut, c'est la nouvelle naissance. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qui est cher, est cher. Vous savez, un homme charnel, même s'il vient offrir à Dieu, il vient toujours dans la chair. Il est là suffisant, il vient. Lentement, doucement. Il met, il rentre. C'est-à-dire, il ne donne pas par rapport aux mesures intérieures. Il donne selon la chair. Voilà pourquoi le Seigneur, là je vais me limiter, c'est le Seigneur. Il a vu une femme, il a donné tout ce qu'il avait. Il dit, oh, cette femme a donné plus que tous. Est-ce que réellement cette femme, c'est-à-dire le Seigneur voulait expliquer. De la même manière, cette femme que vous voyez pauvre, il a donné tout ce qu'il avait. De la même manière, vous me voyez comme étant un pauvre. Je donnerai toute ma vie. Parce que le seul qui a donné l'offrande de toute sa vie, c'était le Seigneur. Mais les prophètes, tous les gens qui ont venu, ils ont donné ce qui était, qui a apparu selon les yeux. Mais le Seigneur a donné tout ce qu'il avait comme étant l'offrande. C'est-à-dire, quand il y a le vrai unité de mesure, un homère de la parole, quand il entre dans la vie de quelqu'un, le même pensée doit être à nous. Vous savez, je prends un mauvais exemple, mais c'est un exemple très édifiant.
Ananias et Saphir, ils ont vendu leur bien. L'homme était venu. L'homme est venu. Il est venu chez Pierre. Oh non, vous avez vendu. Oui, oui, vous avez vendu combien? Oh, comme Pierre avec le Saint-Esprit. Attends, le Saint-Esprit. Tu veux mentir le Saint-Esprit? C'est la mort. Pierre peut-être croyait. Si Saphir vient, il va changer le langage. Mais quand Saphir est arrivé encore, le même langage de son mari, c'est ce que Saphir a répété aussi. C'est-à-dire, une vraie couple, ce sont les couples qui ont le même langage. C'est-à-dire, quand on voit l'homme, on doit trouver la même pensée aussi chez la femme. Quand vous trouvez déjà, il y a des différences de langage, sachez-le qu'il y a un problème dans votre mariage. Parce que l'Église, c'est la répétition de la pensée de Christ. Voilà pourquoi tu verras, Samson qui avait les sept tresses, qui est l'image de tout pouvoir, de toute autorité qui était chez Samson. Mais Samson, on l'a coupé les cheveux, on a mis sur la femme. C'est-à-dire la femme aujourd'hui, il est porteur de l'autorité de Dieu. Et ce que Christ devait faire, la femme aussi a la capacité de le faire. Que les Seigneurs bénissent. Mais la marche doit commencer à Gilgal. Pour les gens qui sont appelés dans le ministre doit rester un modèle pour les gens qui encadrent dans sa vie aussi, dans la chair, de la manière qu'il est en train de vivre, doit rester un modèle. Vous savez, quand le ministre ne mène pas une bonne vie, même s'il a un ministère puissant, les gens qui sont tout autour de lui vont imiter, ils vont bien prêcher, mais ils vont répéter, reproduire encore la même. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, tu connais comment je vécu, tu connais mes persécutions, tu connais mes résolutions. C'est-à-dire, Paul aussi a commencé avec Timothée dans la chair. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, ce n'est pas l'Église catholique. Écoutez ce que j'ai dit, mais ne fais pas ce que je fais. Non. Ici, c'est écouter ce que j'ai dit. Nous allons faire aussi ce que tu fais. Parce que si ce que tu fais n'est pas conforme à la parole, il faut avoir pas le sentiment dans les choses de Dieu. L'homme de Dieu ne te mettra pas dans son dos pour te faire entrer dans le ciel. Le ciel, c'est la parole de Dieu. S'il vit la vie de la parole, je suis derrière lui. Quand je vois qu'il ne vit plus la vie, moi-même qui vous prêche ici, c'est ce que Paul a dit. Si même je vais vous annoncer notre évangile que je ne vous ai pas, que je sois anathème. C'est-à-dire, si je commence encore à prêcher, dire, les péchés, nous sommes faibles, nous tous, les péchés, c'est rien. Sache-le que un peu de levain, ça fait gonfler la pâte. Le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu saint. Voilà pourquoi la première marche de Naaman, il doit tomber dans le Jourdain, cette fois. Et quand il va, après avoir tombé cette fois, quand il va sortir du Jourdain, la Bible dit sa peau revient comme le jour de sa jeunesse, comme un enfant. C'est pour dire que quand on écoute la parole, on a déjà terminé les persécutions. On est déjà entré dans la promesse parce que celui qui est né de nouveau, il est déjà dans la promesse. Et quand on est né de nouveau, Dieu donne aussi un entendement, une meilleure compréhension de la parole. Beaucoup ne comprennent pas la parole aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que si tu es né de la parole, tu dois être aussi en harmonie avec la parole. Que les saints bénissent. Mais beaucoup, ils n'ont pas encore traversé. Mais le Seigneur fera que si tu es un Élie, tu vas traverser. Mais ici, avant que tu prennes possession du pays, tu seras enfermé pendant 7 jours. Or, quand on circoncit quelqu'un, il y a la douleur. Qu'est-ce qu'on fait pour la guérison de la circoncision? On te met de l'eau. De l'eau, même si tu te mets dans l'eau, l'eau te fait mal. Mais l'eau qui te fait mal là, plus tard, ça te servira à la guérison. C'est-à-dire, quand tu es né de nouveau, nous pouvons prêcher. Tu dis que cette parole, ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Supporter le mal que la parole est en train de te faire. Cette parole, c'est la même parole qui te servira pour la guérison. Parce qu'on ne peut pas entrer si on n'est pas enfermé. L'Église, c'est quoi? C'est le lien que Dieu a enfermé les circoncis, les gens qui sont circoncis par la parole, afin que l'eau qui est la parole puisse nous guérir de cette infirmité que le Seigneur a mis en nous. Amen.
Que le Seigneur bénisse. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas circoncis de la pierre ou de la main des hommes. Mais nous sommes circoncis par la parole, par la circoncision du cœur. C'est par là que nous avons dit, vers les derniers jours, Dieu répandant son esprit sur toute chair, ce n'est pas cette chair ici. Parce que si cette chair qui sert ici, tous les païens que vous voyez ici sur la terre, ils honorent le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est un don pour les gens qui ont cru. Dieu les a donné un gage jusqu'au jour de la rédemption. Voilà pourquoi le don le plus merveilleux, même quand tu pries pour avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais prie plus que le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Parce que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Si tout le monde aurait le Saint-Esprit, il n'y aura pas de péché parmi nous. Parce que le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, le premier rôle, c'est convaincre l'homme du péché. Mais quand quelqu'un est encore pécheur, nous comprenons que ce sont les sensations du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, comme gage du salut, n'est pas en lui. Voilà pourquoi la circoncision, c'est aussi le baptême de la régénération. C'est ce qu'on appelle la nouvelle créature. Celui qui a le Saint-Esprit, sa manière de penser doit changer. Il y a des gens, depuis qu'il a cru, ils pensent la même chose. Après un an, ils pensent la même chose. Après 5 ans, ils pensent la même chose. Après 10 ans, il est toujours la même chose. Non, tu es le même aujourd'hui. Ça, c'est la souveraineté. Là, tu es contre Dieu. Parce qu'il y a certains attributs, c'est seulement le Seigneur qui peut avoir. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Toi, tu es le même aujourd'hui, hier. Là, tu deviens conquérant. Oh, Dieu est jaloux dans sa divinité. Il faut que Dieu voie les changements en nous. Parce que par la nouvelle naissance, nous commençons une marche. Pour les serviteurs, le ministre qui est en train de vous prêcher, c'est un modèle pour toi où tu dois l'accompagner. Vous savez, aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. Le ministère, je ne sais pas si c'est comme était avant. Vous savez, avant, quand il y avait un ministre, le ministre était toujours entouré d'un frère ou bien de 2 frères. Partout où il marchait, tu verras, il est seulement toujours avec un groupe de frères, derrière lui. Mais aujourd'hui, le ministre, c'est comme si, chez nous là-bas, chez les Batetel, on appelle un éléphant Mwendapek. Donc, c'est un éléphant, quand il est dessus, il marche seul. Le ministre, c'est comme un dessus qui marche seul. Il ne marche plus avec les frères. On va voir seulement dans l'église, on voit les frères, moi je suis serviteur. Non, les serviteurs, autant d'Élie, autant de Moïse, autant de Paul, s'il n'a pas Timothée à côté de lui, il a Tite à côté de lui. S'il n'a pas Tite à côté, il a Philémon à côté de lui. Mais aujourd'hui, le ministre marche seul. Comment le ministre sera un modèle pour toi? Même quand le Seigneur marchait avec les disciples, il y a d'autres questions, ne demande pas à lâcher. C'est que les Pierre demandait au Seigneur, quel est le signe de ton avènement? C'est parce qu'il marchait avec le Seigneur. Quand il marchait, il demande, si, qu'est-ce qu'il montre que ça sera ainsi, ainsi? C'est comme ça, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Il est dans sa maison, je suis serviteur, viens, je suis serviteur. Qui est serviteur de quoi? Et de qui? Élisée n'a pas abandonné Élie. Parce qu'il savait qu'il avait besoin d'un manteau. Parce que le ministère, c'est être revêtu. Mais je ne parle pas seulement sur l'être revêtu, mais je parle comme étant le baptême. Le baptême, il y a une différence entre le sceau et le baptême. Le baptême, c'est être totalement immergé dans. Aujourd'hui, nous ne sommes pas totalement immergés. C'est ce que nous avons parlé sur la marche d'Ézéchiel. Ça, c'est Ézéchiel 47. La marche d'Ézéchiel dans le torrent. Nous marchons l'eau dans les chevilles, l'eau dans les genoux et l'eau sur la hanche et ça, plus tard ça va déborder. Que le Seigneur bénisse. Or, quand l'eau arrive dans la hanche, c'est-à-dire que tu deviens un vaillant guerrier. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire les ministres et ceux qui sont appelés dans le ministère doivent marcher aussi ensemble. Parce que le jour qu'on a imposé à Josué la main pour remplacer Élie, ce n'était pas étonnant. Pour remplacer Moïse, ce n'était pas étonnant. Parce que Moïse, Élie, qui est Josué, a accompagné Moïse dans
Josué était resté fidèle et il était resté loyal. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui manque beaucoup qui vont entrer dans le ministère? La loyauté. La loyauté, même dans la vie telle que nous sommes là. La loyauté manque beaucoup de gens. C'est-à-dire, même s'il est à côté de toi, il cherche encore à te tuer. Il faut que je les tue, je dois les remplacer. Il faut que je les tue. Mais la loyauté, c'est-à-dire, dans les temps difficiles, tu es là. Dans les temps de la joie, tu es là. Dans les temps, tous les gens qui ont marché avec David, ils ont été récompensés parce qu'ils ont accompagné David dans toutes les choses. Mais aujourd'hui, pour voir un frère loyal, qu'il puisse t'accompagner dans le ministère, c'est difficile. Quand il a 3, 4 versets, 5 versets, non, je dois faire mon église. D'ailleurs, c'est sa femme qui va commencer à voir les visions. C'est-à-dire, tel que tu es là, d'ailleurs, tu prêches bien que lui, tu vois, tu as déjà la popularité. Faisons notre œuvre. Et l'œuvre du Seigneur. Vous savez, dans les choses de Dieu que nous vous parlons ici, si tu n'es pas avec Dieu, si Dieu ne t'a pas appelé, servir Dieu, c'est la plus grande malédiction. Vous savez, il y a beaucoup, aujourd'hui, ils ne sont pas tranquilles. Ils étaient bien, ils travaillaient. Ils avaient quand même leur pain dans le quotidien. Mais depuis qu'ils sont engagés dans le ministère, tous les jours, il y a des problèmes dans sa maison. Parce qu'à la fin du mois, toi-même, tu vas payer la salle. Et la femme à la maison, quand il voit, tu as payé 1000. 1500 encore, ses enfants n'ont pas mangé. Lui-même, il y a un temps, ça peut se faire. Mais il y a un autre temps, ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire, Dieu va prendre soin de toi. Voilà pourquoi nous conseillons. Si tu n'es pas appelé, reste frère, tu seras sauvé comme un frère. Ce n'est pas mauvais. Servir, ce n'est pas une course. C'est-à-dire, il faut que je sois serviteur, il faut que je mette le costume, il faut que je... C'est bien. Vous savez, des fois, on se répand pourquoi être serviteur. Tu es le seul que tout le monde peut ingérer sans pourtant répondre. Mais même tu réponds dans ton cœur, mais les gens ne voient pas. Tu vois quelqu'un, c'est moi. Ah, c'est le suffrement, si ce n'était pas les choses de Dieu. Regarde, j'allais le ah, mon Seigneur. Tu pries pour quelqu'un, tu pries, il était pauvre. Tu pries, Dieu l'a béni. Il fuit. Tu commences à prier encore pour l'autre. Tu pries, il est marié, il ne vient plus. Tu prends, donc toi, tu pries que pour les gens. Même s'il fuit, tu continues, mais ce n'est pas facile. Même dans la nature, quand on ne te paye pas dans le travail que tu fais là, tu vas laisser. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils disent que je suis ton chef, ils disent non, mon chef c'est l'argent. Si tu ne me payes pas, tu verras si je vais venir. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, il y a une marche où les serviteurs doivent marcher avec celui que Dieu a mis à côté de lui. Les gens qui ont marché fidèlement, loyalement, le Seigneur te fera une double portion de celui qui est en train d'écouter. Le Seigneur te fera une grâce supérieure à cause de la loyauté, comme tu es en train de marcher avec les serviteurs. Lisez bien la Bible. Élie a fait le miracle, mais Élisée, va compter aujourd'hui les miracles qu'Élisée a fait. Élisée a fait le double des miracles qu'Élie avait fait. Si Élie avait fait 10 miracles, Élisée avait fait 20 miracles. Le Seigneur fera de toi que tu puisses faire plus que le Seigneur. Voilà pourquoi je crois avec la parole. Je veux que je vais te scandaliser avant que je termine. Je crois avec la parole. Nous qui travaillons dans le ministère, nous faisons plus que ce que Jésus a fait. Parce que le Seigneur, dans ses jours de la chair, il n'a jamais sauvé une personne. Quand il prêchait là, dans les lieux de Jérusalem, personne n'était sauvé. Même Pierre n'était pas sauvé. Il a dit à Pierre, « Pierre, le jour que tu te convertiras, la conversion c'est une seule fois dans la vie. » C'est-à-dire Jésus dans la chair, c'était la continuité de la loi, une voile qui empêchait que Israël, les apôtres puissent accéder au salut. Mais quand il est mort, la Bible dit dans Hébreux 10, verset 20,
Il a dit, il a ouvert un chemin au travers de sa chair. C'est-à-dire, la chair de Jésus, c'est une voile qui empêchait que les apôtres puissent accéder au salut. Mais quand le Saint-Esprit était venu sur Pierre, Pierre n'avait plus peur. Les Pierre qui fouillaient, qui disaient que toi, c'est comme si tu étais... Non, pas moi. Mais après les Pentecôtes, quand on persécutait Pierre, il était dans la joie parce que le salut, il a saisi de ses mains. C'est pour dire que la loyauté, beaucoup de frères qui sont appelés, c'est qu'il leur manque la loyauté. Comment tu peux t'asseoir, parler mal de ce même ministre qui te prêche avec une autre personne? Le pasteur aussi, il exagère. Ça, c'est le manque de la loyauté. Il faut être... Vous savez, je termine, même les politiciens de cette terre ici sont loyaux. J'ai suivi l'émission de Nicolas Sarkozy. Il y a des gens qui ont fait chuter qui? Celui, le premier ministre de Sarkozy. Comment on l'appelle? Fillon. Les gens l'ont fait chuter parce qu'ils étaient loyaux. Parce que Fillon a seulement parlé mal de Sarkozy. Les loyaux de ceux qui étaient loyaux avec Sarkozy, on va les faire chuter. Mais nous avons aujourd'hui dans les choses de Dieu, les gens que nous servons ensemble avec par manque de la loyauté. Manque de la loyauté. Les imperfections d'un homme de Dieu, c'est un enseignement pour toi. Demain, tu peux être plus imparfait que lui. Je termine pour donner un exemple. Élie, le souverain sacrificateur. Élie, c'est quelqu'un que Dieu a révélé le mal d'Élie à Samuel. Mais quand Samuel lui-même était devenu juge en Israël, Samuel, il a fait plus pire qu'Élie. À tel point que l'Israël, Dieu qui était roi pour Israël, mais Israël a demandé un roi. C'est pour dire que quand Dieu te montre, même quand nous marchons ici, tu vois la faiblesse, c'est un frère. Dis-lui, c'est un enseignement. Pourquoi Dieu a permis que je voie cela? Il faut que moi aussi, que je ne tombe pas sur le même piège. Parce que tu peux te moquer de lui aujourd'hui, mais demain, tu peux te retrouver dans une situation plus grave que lui. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la taille d'un adorateur, quand on entre ici, dans ce camp, ici, quand on va dans ce camp, dans le camp où ils étaient enfermés, on va trouver tout le monde avec des robes. Pourquoi? Parce qu'ils sont circoncis. Quand tu es circoncis, tu fais un effort. Bouge avec force. Demandez les hommes. Tu vas... C'est-à-dire, quand tu es circoncis, tu marches, tu contrôles tes pas, même tu peux ouvrir les pieds pour marcher. Que le Seigneur vous bénisse. On se limite ici. On va prier. Que le Seigneur te fait grâce.